Il est possible de faire plusieurs manipulations des pistes audio que nous avons choisies ou téléchargées. Donc, on les voit ici en bas. J'en ai deux. Donc, je pourrais décider que la première partie de ma présentation, je mets cette chanson-ci et je pourrais décider que la deuxième partie, ça soit l'autre chanson. Donc, je pourrais cliquer sur une et aller voir les effets audio que je peux mettre. Donc, je peux mettre un fond d'ouverture et un fond de fermeture. Ce que ça veut dire, c'est que ma chanson va commencer graduellement en s'intensifiant au niveau du volume. Donc, pendant combien de temps est-ce que la transition va commencer? Donc, le fond d'ouverture et le fond de fermeture. C'est bien quand on commence et qu'on finit une présentation ou qu'il y a deux chansons qui se chevauchent. Donc, si je prends celle-ci et que je la raccourcis ici, donc ça veut dire que je vais aller couper la fin de ma chanson. Et si mes deux chansons se chevauchent de cette façon-ci, vous voyez, on ne le voit pas beaucoup, mais on voit que c'est un petit peu plus pâle ici. Ça veut dire qu'il y a vraiment un fondu de fermeture. Et en cliquant sur l'autre chanson, je pourrais faire un fondu d'ouverture sur la prochaine chanson et un fondu de fermeture, si je veux, sur l'autre chanson. Donc, ça prend combien de temps faire le fondu? Ça peut être très rapide que ça commence avec l'effet total du volume ou non. Donc, si je clique ici, je peux aussi. Je vais juste masquer ma petite place ici. Je peux aussi faire d'autres manipulations sur mes pistes audio. Donc, que ce soit venir ici ou dans les trois points, j'ai les mêmes options la plupart du temps. Et par contre, ici, j'ai la coupure que j'ai ici aussi. Donc, je pourrais aller décider d'aller découper en partie ma chanson. Donc, je peux décider à quel endroit je coupe ma chanson complètement. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie, si je pèse sur retour, qui va s'enlever. Là, je l'enlève au complet, donc je vais revenir. Je l'ai remise ici. Donc, je pourrais la mettre là et je pourrais aller ajuster, donc c'est-à-dire la couper à un certain endroit. Je ne veux pas la couper au complet, donc j'imagine que je peux ici venir juste ajuster. Donc, il n'y aura pas toute ma chanson au complet. On peut voir qu'une partie qui ne sera pas jouée. Je peux aussi ajuster le volume, que ce soit à une partie ou à toute la piste audio de ma chanson. Je pourrais décider aussi de synchroniser, c'est-à-dire que les pages et nos éléments seront automatiquement synchronisés avec la musique, donc avec le rythme. Donc, je pourrais choisir ça ici ou pas. Donc, c'est-à-dire que je choisis que la musique joue sans synchroniser. Donc, comme on peut voir, il y a plusieurs manipulations que je peux faire sur mes chansons. Et ici, j'ai les mêmes choses. Donc, je pourrais supprimer un morceau, je pourrais dupliquer mon morceau. Donc, je pourrais avoir deux fois la même chanson. Si ma chanson n'est pas assez longue pour toute ma présentation, je pourrais décider qu'elle recommence aussi. Donc, je pourrais aller dupliquer ma chanson. On peut voir ici, elle est dupliquée une deuxième fois. Si j'ai deux pistes audio, une par-dessus l'autre, mais les deux chansons vont jouer en même temps. Donc, voici les manipulations qu'on peut faire sur une piste audio, c'est-à-dire une chanson.